En cette année 2012, l'association Échange et Partage a encore une fois été présente sur le terrain au Sénégal pour apporter son appui, son aide et son soutien à nos amis qui nous ont sollicités. Certains d'entre nous, toujours volontaires, pour le bien de l'association, sont partis encore une fois avec de nombreux bagages bien remplis et bien lourds. Savoir qu'on est parti à 7 bagnoulins. Et on a amené avec nous 46 kilos de bagages chacun. Ce qui fait qu'on a pu apporter, des médicaments, des vêtements, des blouses pour les infirmiers, pour le personnel soignant. On a amené des vêtements d'enfants pour l'orphelinat. Enfin, on avait à peu près 20 à 25 kilos chacun de bagages pour le Sénégal. Donc ce qui est énorme, sachant qu'on était combien quand on est parti, Babi et 7, hein. 7, on a apporté au moins 150 kilos de matériel, petit matériel, voilà. Et c'était fort apprécié, mais c'était bien encombrant, c'était bien lourd. Et il y en a qui m'ont dit, on ne fait plus ça, on ne part plus qu'avec bagage normal, quoi. Que c'est vrai que c'était très pénible parce que descendre du train, monter dans le train, c'est bon. Voilà. Je vais pas arrêter. On a eu le mérite de plus en plus d'adhérents à cette association. Malheureusement, on voit un petit peu toujours les mêmes personnes qui viennent donner un coup de main. Donc j'espère qu'on va aussi pouvoir développer ça parce que c'est quand même lourd. Organiser ce que j'organise aujourd'hui, c'est du boulot. Et donc je dois aussi quand même remercier les aides que nous avons, les apports de la mairie de Bayous. Donc on a une subvention conséquente. Jusqu'à maintenant, on a thésaurisé parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire ce que l'on souhaitait faire. Et au mois de novembre, donc le mois qui vient, après la mi-novembre, on envoie du matériel informatique dans un collège de Casamance. Mais il fallait de l'argent pour réaliser cet envoi. Donc maintenant, on a suffisamment de moyens pour pouvoir financer cela. Et le conteneur va partir par cargo, avec Aviation Sans Frontières. Voilà, ce que je voudrais faire aussi, c'est remercier Carole Lafu, il y a la maman qui est là. C'est pas parce qu'elle est là que je le dis, mais c'est la demoiselle qui réalise le journal Le Baobab. Elle le fait en dehors de ses heures de travail, je rassure Madame Bourrier. Voilà. Elle le fait chez elle. Je profite aussi pour remercier les cuisiniers, parce que sans eux, les cuisiniers qui travaillent bénévolement, parce que sans eux, il est bien évident, encore une fois, que je ne pourrais pas réaliser ça, ça coûterait trop cher. Voilà. Et on serait obligé d'augmenter les prix des repas et des cotisations, et enfin, bon, voilà. Savoir que la cotisation au niveau des collectivités territoriales, avec la mort annoncée des conseils généraux. Bon, j'espère qu'on aura un petit coup d'arrêt et qu'on pourra encore bénéficier de quelques subventions de ces collectivités-là. Sachant que je sollicite bien souvent le conseil général des PO qui n'est pas très généreux. Bon, je sais qu'ils ont beaucoup d'argent à l'extérieur et je crois que les subventions pour les associations, ce n'est pas leur priorité. Mais bon, on peut quand même espérer. Je sollicite aussi le conseil régional qui a les mêmes difficultés apparemment. Donc j'en viens dans lesquels l'association Roussillon sera partie prenante. Donc vous savez qu'on organise des circuits de randonnée, ça fait partie, c'est à cheval sur les deux associations. Et dans ces circuits, au cours de ces circuits de randonnée, on a l'opportunité de rencontrer, d'être en contact avec les autochtones au plus profond des endroits retirés, et c'est très bien comme ça.
Et chaque fois que on arrive là-bas, chaque fois on est reçu d'une façon merveilleuse. Il faut savoir, je pense que je ne vais pas être contredit là-dessus, tous ces gens-là ont gardé tout ce qu'on a perdu. La qualité de l'accueil, l'esprit de solidarité, la générosité, c'est extraordinaire. Relancer, vous dire que l'association va financer aussi un moulin à mie dans un petit village dans le Sahel, à Gang. Ceux qui sont venus connaissent Gang et les traditions de Gang. Voilà. C'est un village où il n'y a pas d'eau, où l'accueil est aussi exceptionnel. Si vous avez vu quelques vidéos de danse, eh bien c'est dans ce village-là. Et l'année dernière, avant de partir, il faut savoir que les villages sont structurés en association, entre guillemets. Donc, et il y a l'association des femmes, il y a l'association des éleveurs, l'association des parents d'élèves, l'association. Et donc l'association des femmes, la présidente m'a demandé si on pourrait leur financer un moulin à mie. Donc j'ai dit oui, mais j'ai besoin de l'accord donc de l'Assemblée Générale pour valider cet achat qui va s'élever à peu près à, on dira maximum 500 euros. Voilà. Donc j'ai besoin de la validation de l'Assemblée Générale pour engager cette somme-là. S'il y a des personnes qui sont contre, s'il y a des personnes qui s'abstiennent, donc voilà, l'action sera réalisée. Et donc j'ai découvert cette association, c'est la première fois que je viens, et je trouve cela vraiment époustouflant, le travail que tous ces gens donnent pour le Sénégal, et j'en suis vraiment touchée. Et donc je vais même me faire adhérer auprès de l'association pour être un peu plus de porte-parole auprès de M. le maire et de faire en sorte de pouvoir passer ce message auprès de Banus pour qu'il y ait plus de monde qui se mette. Voilà. Je suis très heureuse de cette journée. Merci beaucoup. Merci. Énorme
merci à ce monsieur, parce que bien sûr, évidemment, le Sénégal, pour lui, c'est quelque chose d'important, mais pour moi, ça l'est encore plus que ça, quoi. Le Sénégal, c'est quelque chose, ça fait 10 ans que ça dure. Le morceau qu'on vient de vous jouer, ça s'appelle Dieu le Dieu. Dieu le Dieu, ça veut dire merci, parce que nous, on commence toujours nos spectacles par vous dire à tous, merci. Termine très bien. Et la preuve en est que on a eu ce soir encore une fois un repas exceptionnel dans une ambiance relativement sympathique.